En ce qui concerne les MAPA, la cuisine centrale, il y a deux lots, le lot 1 avec la Sodexo pour un montant de 500 000 à 1,5 million, et un lot 2 de 180 à 250 000. À quoi correspondent exactement et respectivement ces deux conventions? Alors, le lot 1, il s'agit de la restauration scolaire, qui est le lot le plus important. Le lot 2 représente la restauration du portage à domicile des personnes âgées. C'est-à-dire, c'est une délégation de services qui est faite Pour le lot 2, il s'agit d'un portage en maison froide, alors qu'actuellement c'était fait par les... Non, c'était déjà fait par la même société depuis plusieurs années, en partie. En partie. La cuisine centrale ne pouvant pas dépasser une certaine capacité qui est faite dans les maisons froides, le complément était fait par ce prestataire de service. Donc nous avions des seniors qui recevaient le repas de la restauration scolaire municipale, d'autres de la restauration faite par le prestataire de service, comme l'ensemble tourne autour de 130, 140, qu'on a jugé plus facile pour simplifier, pour réduire les frais, de faire tout passer, comme on ne peut pas le faire par une centrale, parce que la capacité n'est pas suffisante et qu'on ne peut pas agrandir les locaux, donc de passer l'ensemble de 130, 140 repas au prestataire de service. D'accord. Et le lot 1, alors, d'une manière précise? Uniquement la fourniture de denrées. D'accord. Oui, merci.